Le Premier ministre Julien Kogebekale et son Excellence Rowan James Laxton, ambassadeur du Royaume-Uni près la République gabonaise, se sont rencontrés ce mardi. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre le Gabon et le Royaume-Uni, notamment dans le domaine environnemental. Je salue les efforts du gouvernement gabonais de profiter de ces ressources d'un moyen durable pour que ça puisse contribuer au développement du peuple, des revenus pour l'État, les taxes et tout comme ça, en même temps que protégeant les animaux et les forêts. Mon gouvernement veut beaucoup vous accompagner dans ces efforts en tant qu'assistance technique, financière. Rowan James Laxton a réaffirmé au cours de cette entrevue la ferme volonté des entreprises britanniques d'augmenter le volume de leurs investissements au Gabon. Les deux personnalités ont donc échangé leur point de vue sur les voies et moyens d'améliorer les rapports commerciaux dans le pays. Les rapports commerciaux ne sont pas très forts. Il y en a quelques entreprises qui travaillent ici, mais le Premier ministre et moi-même voulons que le nombre augmente. Ils ont par ailleurs émis le souhait d'équiper le pays dans plusieurs autres secteurs, comme l'éducation, en contribuant très prochainement à la formation des enseignants dénommés « Training of Trainers » pour repenser le cursus académique de la langue anglaise.